Tu peux aller. Je vois les choses différemment. Lorsque je me fixe un nouvel objectif, lorsqu'il y a une nouvelle prouesse que j'aimerais réaliser, en réalité, je ne regarde pas la montagne de travail qui se dresse face à moi. Je regarde avant tout dans l'autre sens. Et ça, depuis le premier jour, et c'est réellement ma plus grande force. Et ça me fait oublier toute adversité. Puisque, en réalité, l'inconfort, mon inconfort, c'est rester au même endroit. La question que je me pose depuis très jeune, à chaque fois que ça se corse, c'est quelle est l'alternative? Je vois essentiellement ça. Et c'est l'une de mes plus grandes craintes de rester là où j'en suis, puisque stagner finalement, c'est régresser. Stagner, ne pas mettre un pied devant l'autre chaque jour, c'est un échec. Ok, je veux réaliser telle chose. Ça va être difficile, ça va me coûter du temps, de l'énergie mentale, physique, peu importe. Parce que l'autre possibilité, c'est rester où je suis. Et ça, c'est irrespirable à mes yeux. C'est ainsi que je fonctionne et on peut pas tuer l'esprit de quelqu'un qui ne se laisse aucune autre option. Si j'échoue, je reviendrai. Si je gagne, je reviendrai. Si je suis déçu, si je suis brisé, je reviendrai. Constamment. Être motivé après avoir gagné, c'est facile. Être désespéré après avoir échoué, c'est facile. Mais rester inébranlable face à l'adversité, puisqu'en réalité, l'adversité pour nous, ce serait de se dire je reste là où j'en suis, permet d'être inarrêtable. Et à ce compte, je le suis.